Président de la République, l'excellence Michel-Joseph Martelly, lancé journée mardi 31 janvier 2012, là, projet modernisation, processus création société anonyme, une initiative ministère commerce et industrie. Lancement sa fête, dans la présence du ministre Wilson Nalo, quelques parlementaires et personnalités qui ont évolué dans le secteur affaires. Président Martelly promet tout support pour réaliser qu'aucune chaîne projet ça. Depuis que je suis arrivé au pouvoir, j'ai fait tous les efforts et demandé à mon gouvernement de faire tous les efforts afin d'identifier les obstacles, les traquer et les lever en vue de transformer Haïti en une terre d'élection pour l'investissement productif, seul garant d'emploi décent et durable. Je dois vous avouer que la situation que nous avons trouvée est extrêmement difficile. Tout le monde s'accorde à dire que l'environnement des affaires en Haïti est dissuasif. Pour ne prendre qu'un exemple, en octobre 2011, deux jours après la prise de fonction du nouveau Premier ministre, le rapport Doing Business 2012 préparé par la Société financière internationale est publié. Ce rapport classe les pays en fonction de la facilité d'y réaliser des affaires. Il conclut sur une détérioration nette de la situation en Haïti. Cette détérioration envoie un mauvais signal aux investisseurs et aux entrepreneurs tant nationaux qu'internationaux. Elle sape les efforts en cours pour mettre Haïti sur la carte mondiale des affaires. Les mauvais classements nuisent à l'image de marque et ne sont pas de nature à attirer les flux importants d'investissements directs étrangers qui circulent dans la région. Mon engagement ici devant vous aujourd'hui, c'est de mettre un terme à cette situation. Lors de mon intervention au Parlement le 9 janvier dernier, j'ai donné pour mission au gouvernement d'engager toutes les actions nécessaires en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Je me félicite de voir que les gens de bonne volonté, partie prenante de ce processus de création d'entreprise, se sont réunis à l'initiative du ministre du Commerce et de l'Industrie pour s'attaquer à ce problème et le résoudre dans les meilleurs délais. Vouloir passer de 105 jours à 10 jours est un défi de tous ensemble. Nous sommes capables de relever. J'ai confiance en vous pour mener à bien ce projet. J'encourage fortement tous les ministères et organismes publics impliqués dans ce processus de modernisation du cadre des affaires à emboîter le pas, sans tarder, pour la pleine réussite de ce projet. Projet de modernisation, ça, c'est une grande première dans l'histoire de l'administration publique haïtienne. Il fait partie du programme e-governance, équipe Martelly Konilla mette sous pied. Chef l'État témoigne satisfaction li parce que le projet ça pour créer job yon 4E programme politique président Martelly. J'en profite pour solliciter d'ores et déjà le plein support des membres des pouvoirs législatifs et judiciaires pour l'organisation des états généraux sur l'investissement annoncé par le ministre Lalo. Nous devons dès aujourd'hui commencer le processus qui mènera à l'adoption et à la mise en œuvre de ces réformes. La population haïtienne nous a fait confiance. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de ne pas la décevoir. Nous devons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour améliorer son niveau de bien-être et rétablir sa dignité. Un emploi stable, durable et décent est et sera toujours la meilleure forme de sécurité sociale qu'un État puisse fournir à un citoyen. Merci. Pays d'Haïti gagne environ 200 000 jobs formels, mais volonté gouvernement Martelly Konilla, c'est créer 500 000 sous période 3 l'année et puis 1 million sur une période 5 l'année, une façon pour améliorer les conditions de la vie des peuples haïtiens.